Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la suite et la dernière vidéo sur le kit Riolis. Alors c'est un tout petit kit, mais vous voyez, je vous ai fait trois vidéos dessus. La première vidéo, vous avez vu les points arrière que j'ai fait sur cette broderie. La deuxième vidéo, vous avez vu les perles que j'ai brodées également sur cette broderie. Et la dernière vidéo, celle d'aujourd'hui, ce sera le montage. Je vais vous montrer comment j'ai décidé de monter cette broderie. Alors, comme je disais dans ma première vidéo, ça faisait très, 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 très longtemps, je pense au moins 20 ans, que je n'avais pas fait de montage comme ça. Donc, je l'ai monté sur un Pinky. Alors, c'est un kit, le kit carton mousse. Je l'avais déjà eu, je l'avais eu en cadeau ou alors je l'avais acheté, je ne sais plus. Mais ça remonte à des siècles. vous verrez dans la vidéo, je montre, il y a le nom de la boutique où je l'avais eu. Il faut que je regarde si cette boutique existe encore et s'ils vendent encore cet article. Mais je vous dis, ça fait tellement longtemps, je ne suis pas sûre. Voilà. Mais bon, vous regardez en barre d'infos après que vous aurez regardé la vidéo. Si je vous ai mis les liens, c'est que ça existe toujours. Voilà. Allez, si vous avez des questions sur ce montage, alors c'est pour ça, je m'excuse auparavant parce que là, j'ai un peu pataugé pour le refaire. Mais bon, je vous dis, ça faisait tellement longtemps que je n'en avais pas fait que j'avais perdu un petit peu la main pour ce montage. Mais le résultat est top. Bon, Chouchou n'aime pas beaucoup parce qu'il n'aime pas que je mette des rubans et tout ça. Lui, il aime bien que ce soit, comment? Neutre. Voilà, il aime bien quand c'est neutre. Mais là, bon, pour un Pinky, il fallait que je décore quand même. Donc, voilà. Moi, j'aime bien, c'est principal. Alors, je lui avais dit, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je te le mets sur ton bureau? Non, il ne veut pas sur son bureau. Bon, pour l'instant, il est sur le mien, sur ma petite étagère au-dessus de mon bureau. Je verrai après, là, j'attends que ce soit bien fini de coller de partout. Et je verrai par la suite si je le mets au mur ou si je le laisse là ou voilà. Ou si je n'ai pas une de mes petites filles qui me le pique, hein, on ne sait jamais. Voilà, donc on verra tout ça. Bon, je vous laisse regarder la vidéo. Les questions, c'est en commentaire. J'essaierai d'en refaire un des comme ça, bon, mais ils seront un peu mieux faits. Malgré que je vous dis, il est pas moche, hein. Il est pas moche, mais bon, je veux quand même vous le montrer. Même quand on rate des trucs, on peut les montrer, hein. Voilà, donc pourquoi pas. Je vous laisse. Alors, ce kit, ça y est, il est terminé, il est classé, la grille, elle est mise de côté parce que je garde toujours les grilles, si jamais une de mes petites filles voudrait le faire, ou ma belle-fille, pourquoi pas, donc je garde toujours les grilles, et là, bah, maintenant, on va passer au suivant, voilà, donc vous verrez ce que je ferai à la suite, bon, vous savez très bien que j'ai d'autres kits, hein, que je n'ai pas terminé, qu'il faut que je termine. Et voilà, je vous dis que je ne commencerai rien d'autre. Mais là, bon, je l'ai fait en une journée. Hein, donc, ça compte pas. C'est une petite récréation que je me suis faite. Je l'ai brodée entièrement hier. Et j'ai... Enfin, entièrement. J'ai fait tous les points de croix hier. J'ai fait tout le point arrière et les perles aujourd'hui. Et le montage aujourd'hui également. Donc, en deux jours, ce kit a été plié. Voilà. Fifi n'est pas là, hein. C'est pour celle qui me demanderait où Fifi elle est. Elle est en bas, elle fait dodo, elle n'a pas voulu monter avec maman. C'est rien, vous la verrez sur une prochaine vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.